Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose que de se former avec des formations. Mais tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la cloche pour les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, je vais te parler de trois livres. Moi, je déteste lire, donc j'ai trouvé une solution. Je suis abonné à Audible et j'ai droit à un livre par mois. Des fois, j'en achète plus et je les écoute. Je les écoute pendant les trajets pour aller travailler, dans les bouchons ou quoi que ce soit, ou des fois au travail quand j'ai pas besoin de penser à autre chose. Donc, je prends énormément de notes sur mon téléphone en même temps que les écouter. Ça m'apporte énormément de choses. Ça m'apporte des idées aussi. Ça m'apporte des éclaircissements sur certaines choses, certains problèmes. Donc moi je vais parler de trois livres aujourd'hui que j'ai vraiment bien apprécié. Il y a le Miracle Morning pour le millionnaire. Donc là c'est Hal Herold qui t'amène sur la situation du matin. Le matin on sait bien qu'on est super productif parce qu'on vient de se lever, on a l'esprit bien clair pour faire quoi que ce soit. Donc il va vous situer sur ces instants de tranquillité et de silence où le monde sommeille encore. Et vous avez tout le temps pour vous maximiser votre réussite et découvrir votre potentiel sur chaque début de journée qui est porteuse pour vous. Ensuite, j'ai un deuxième livre qui est pas vraiment sur le même sujet, mais il est toujours sur le sujet des entrepreneurs. La prodigieuse machine à vendre. Qu'est-ce que c'est? En fait, il nous parle de travailler moins mais plus efficacement. Tout le monde devrait rechercher ça. Tous les entrepreneurs devraient rechercher ça. Maximiser tant le développement de son entreprise pour éviter de perdre du temps et être beaucoup plus productif et pouvoir évidemment moins travailler puisqu'on est plus productif. Il nous offre 12 clés dans ce livre qui te fera découvrir aussi comment optimiser ton temps. Donc, en l'occurrence, établir 6 priorités par jour, à conduire par exemple des réunions efficaces, apprendre à recruter les meilleures personnes pour ton projet, pour faire avancer les choses à ta place. Des fois, il ne faut pas être pro dans tout, il faut pouvoir engager les bonnes personnes qui sont des fois meilleures que toi pour faire avancer la machine. Et du coup, il nous donne aussi les clés pour faire travailler ses équipes sans devoir être là derrière. Sans arrêt pour vérifier ce qu'ils font. Il t'apprend aussi à écouter les idées de chacun, provoquer une émulsion et le favoriser des formations et des sessions de rappel pour intégrer les changements à long terme, pour mettre en place des choses qui vont changer l'état des choses dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat dans lequel tu es, pour pouvoir arriver à des bonnes méthodes à long terme qui vont porter leurs fruits. Il apporte également les 7 règles d'or du marketing. Comment attirer des clients sans les harceler. Identifier ses clients aussi. Il a vraiment des méthodes fantastiques pour apporter la vente sur un plateau et arriver à ses fins. Ensuite, le troisième livre, c'est Plus malin que le diable. C'est un livre de Napoléon Hill. Il nous révèle les 7 principes, les 7 secrets qu'il a arraché aux mains du démon. Il communique avec le démon qui lui donne en fait plein de solutions, plein de secrets qu'il ne partage normalement à personne. C'est un peu une histoire un peu fantastique, mais on est sur un peu la vérité de ce que chacun a dans son esprit qui combat avec lui-même. Vous avez toujours une petite voix dans votre tête qui vous dit fais ci, fais ça ou fais pas ça, fais pas ci. Et il nous explique exactement ce que ça nous apporte ou ce que ça ne nous apporte pas. C'est vraiment fascinant et provoquant en plus d'être stimulant. Il nous montre bien évidemment la voie à ne pas prendre. Donc, il nous montre la voie vers le succès, donc les chemins à ne pas prendre pour ne pas y arriver. Et tout ça dans l'harmonie et l'accomplissement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ce que je vous propose, c'est dans la description. Je vous mets un lien pour chaque livre que je vous ai cité. N'hésitez pas à les lire ou à les écouter comme moi, ce qui est beaucoup plus facile et plus attrayant. Moi, j'ai très difficile à finir un livre quand je le commence. Et là, je les dévore et même je les écoute 2 à 3 fois chacun. Et ça m'apporte énormément de choses. En même temps, je vous mettrai le petit lien pour l'abonnement Audible pour tomber directement sur la page.
pour pouvoir prendre un abonnement. Et également, je vous partage après ça un template ressources. Un template ressources pour pouvoir mettre vos ressources personnelles de votre entreprise. Et moi, je l'utilise en fait, c'est un template que j'utilise sur Instagram pour présenter des ressources gratuites et offertes. Donc, vous pouvez profiter des ressources gratuites et offertes sur ce template. Et en plus, vous pourriez l'utiliser pour votre entreprise, votre business. Donc, n'hésite pas à faire un petit like et mets-moi un commentaire. N'hésite pas si tu as une question et j'y répondrai. Merci. Bye, à la prochaine.